Mais bonjour à Internet, bonjour les amis Cicas, bienvenue sur Cyberpunk 2077. Et je viens de voir que ma vie n'est pas assez remplie. J'ai une toute petite barre de vie, c'est quoi cette histoire? On va manger un petit truc déjà, histoire de se mettre bien. J'espère que vous allez bien, les amis. On continue l'aventure, la découverte sur ce jeu, la redécouverte, hein, soyons exacts. Sur ce titre, endurance, qu'est-ce qui me régène ma vie là-dedans? Mémoire maximum, vitesse de déplacement, précision, vitesse de déplacement, précision. J'ai rien à manger? J'ai rien à manger qui pourrait me soigner là-dedans? C'est pas possible. J'avais tout un tas de merde auparavant, là. Faudrait que je me mange un petit Big Mac, là, histoire de me remettre. Qu'est-ce que c'est ça, un jus? L'endurance, j'ai rien qui régène ma santé. J'ai des trucs qui régènent l'endurance, tu vois. L'endurance. Tout ce qui est buvable, c'est de l'endurance, j'ai l'impression. Ah. Tiens. Hors combat, ça régène. Eh ben, un petit taco. On va se faire un taco, histoire de régène un peu sa vie. Voilà. On doit donc retrouver notre cher ami Jackie. Jackie. Et Jackie, il est là. Yo también te quiero, ma. C'est pas trop tôt, essaie. Essaie. Alors, comment va Señora Wells? Bah, tu sais... Elle s'inquiète pour moi. Blablabla. Bla, bla. Elle peut pas s'en empêcher. Il faut qu'elle vérifie si je suis pas mort au fond d'une benne. Comme presque tous les gars de la famille Wells. J'en peux plus de tout ça. Plus je lui dis que ça va, plus j'ai l'impression de lui mentir comme un arracheur de dents. Mais demain, ce sera de l'histoire ancienne. Afterlife, nous voilà. L'Afterlife, un nom qui résonne jusque très loin. Ah ouais? Les plus beaux coups des clans nomades, c'est là qu'ils les ont eus. Ça m'étonne pas. Y a pas de meilleur endroit à Night City pour trouver un boulot. Vous prêts à prendre une claque? Allez! Donc les amis, on est à l'Afterlife. Lieu de toute la décadence et toutes les déchéances, lieu dans lequel on va pouvoir... normalement, trouver des fixeurs, etc., pour pouvoir, trouver des nouveaux contrats, mais surtout, un endroit qui nous permet, là, tout de suite, maintenant, que je suis perdu dans mes options, moi. Je cherche toujours la même touche, en fait. Vous savez quelle touche je cherche. Vous savez la touche que je veux. C'est marcher, c'est G, comme grenade. C'était une mort qui on va l'écouter. C'est dingue, non? Ouais, pas croyable. Je t'assure, c'était bien avant notre époque. Quand on faisait encore de vrais enterrements. Donc, un bar un petit peu clandestin, dans lequel se trouve la crème de la crème des fixeurs. Si tu veux avoir du métier, c'est là que ça se passe. Je m'appelle V, lui c'est Jackie Wells. Et c'est censé me dire quelque chose. Ça devrait pas tarder. On vient voir Dex. Hey Dex, j'ai deux clampins qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Ouais? Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un verre. Pas la peine de nous le dire, Viero. Et ben, allons boire un verre. Yeah. Accueil comme on y est, l'Afterlife. Donc c'est tenu plus ou moins par Dexter de Shawn. La grosse ponte. Tu l'entends? T'imagines un peu? Suzanne Forrest, Boa Boa. Salut. Peut-être même Morgan Black. Assieds-toi, je suis à toi dans une seconde. Posez leur cul sur ces tabourets. Sur ce bar. On dirait que c'est notre tour. Hey, Yellows. Hey, tu vois la vieille là-bas? C'est Rogue, la meilleure fixeur de Two Night City. Je croyais que c'était Dex le meilleur. Pff, Rogue montait déjà des opérations quand Dex chiait encore dans ses couches. Cet endroit lui appartient. Qu'est-ce que je vous sers? Vas-y, commande. Deux tequila old fashion avec un trait de cerveza et un piment. Deux Johnny Silverhand, c'est parti. C'est ça, chica. Y en a un qui a fait ses devoirs. Le chien a dû manger les miens. C'est une tradition. Nos cocktails portent les noms de nos habitudes. Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, faudrait que je fasse quoi? Te faire buter. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Ah, j'adore cette tradition. À Night City. Et à l'Afterlife. Ha
C'est pas si cher payé pour entrer dans l'histoire. Il faut d'abord mener une vie de légende, hein. La mort, c'est juste le bouquet final. Ah, et au fait, je m'appelle Jackie Wells. Tu veux écrire Marcette? Bien sûr. Un shot de vodka on the rocks, jus de citron vert et ginger beer. Et le plus important, un peu d'amour. Je m'en souviendrai. Il paraît que vous êtes les dernières recrues de Dex. On bosse ensemble, c'est tout. Comment tu sais ça? Sean va vous recevoir. Ça fait partie de mon boulot. Comment tu crois que les mercs forgent leur répute? En répandant des ragots comme des lycéennes en chaleur. Voilà comment. Bon, bah, je vous dis merde. Merci. Bon. Et ben, allons retrouver Dexter de Sean. Ok, on a bu notre petit coup. Oh, stylé ça. Choum, t'es massif. Tu fais du sport? Ouais. Moi aussi, de la boxe. Tu fais des trucs exotiques, genre Kenpo, Ninjutsu. Ouais. Tu crois que t'arriverais à m'étendre? Ouais. Entrez là. C'était une cringe type. Quelle ambiance. Allez, Zou. Retrouvons Dex. On a notre petit coup de tequila dans le nez. On est bien. On va pouvoir faire les business. C'est ça. À l'Excelsior. On cache comme d'habitude. Bon, je dois y aller. Tiens, tiens, mais c'est Monsieur V. Toute la famille au grand complet. Ah, enfin. Une première dans l'espace réel. Et le Flathead? Voyons voir ce petit gars. Le Flathead. Le voici. Bon, allez, posez vos culs confortablement. Alors. Chouette cabine, elle est insonorisée? Jackie. Allons, allons, monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à monsieur V. Comment ça s'est passé avec Evelyn Parker? Plutôt bien, je dirais. J'ai visité l'intérieur du Konpeki Plaza grâce à la déesse brute qu'elle a tournée. Bug m'a déjà expliqué ça. Vous connaissez la cible, alors? Yorinobu Arasaka, le fils de l'empereur et l'héritier probable. Un homme dont le nom en vaut des millions, mais sans un brin de talent. Le grand ami d'Evelyn Parker. Alors, elle voulait juste dire bonjour ou y avait autre chose? Cette Parker, elle envoie des messages contradictoires. Je sais pas trop quoi penser. Un soir, elle boit du champ Paradise avec Yorinobu. Le lendemain, elle discute avec les régulières du Lidziz. Ces deux mondes vont pas ensemble. Ça m'a frappé aussi. Si tu ajoutes 2 et 2 et que ça fait 5, ça veut clairement dire qu'il te manque une partie de l'équation. C'est pour ça que vous avez un fixeur. Si quelqu'un essaie de vous baiser, il aura d'abord affaire aux 150 kilos de Dex de Sean. Autre chose? Je crois qu'elle voulait juste voir ce que j'avais dans le ventre. Ce que t'avais dans le ventre? Et si on parlait plutôt du plan, vous avez prévu quoi, Dex? Ça. Okay. Alors. Alors c'est parti. On va se mettre ça dans le nez. Dex et moi, on a déjà planifié tous les détails. Cette opération devrait être une vraie balade. Développe. Je voudrais en savoir plus. Une de la main vous déposera devant le Konpeki Plaza. Vous entrerez tranquillement grâce à vos fausses identités. Après, avec l'aide de Bug, vous piraterez le sous-réseau de l'hôtel. Mon aide est celle du Flathead. Pour finir, vous vous introduirez dans le penthouse de Yorinobu et vous volerez la relique. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Vous serez en lien avec T-Bug tout du long. Allez, j'attends vos questions. Ok. Notre couverture, c'est quoi? Parlez-vous de nouvelles identités. Ce sera quoi, notre couverture? Toi, tu es Ramon Victorino. Et toi, Harry Conwell. Ramon? Et on dit qu'on est là pour quoi? Pour affaires,
Une vente d'armes à une corpo. Si on vous demande, vous venez pour une réunion bidon avec le représentant de la défense d'Arasaka, Haji Metaki. Autre chose? On entre comment dans le penthouse? Yorinobu a presque pas de mignon. Le plus dur, ce sera la sécurité du penthouse. Pour la désactiver, faudra neutraliser le résident du Konpeki, un être honneur d'élite qui surveille le sous-réseau de l'hôtel 24 heures sur 24. Le souci, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'entrer dans la planque du résident de l'extérieur. Attends, comment tu veux qu'on entre dans cette pièce s'il n'y a aucun accès? Croyez-moi, T-Bug a déjà résolu tous les problèmes que vous pourriez trouver. C'est là que le Flathead entre en scène. Vous devez l'introduire dans les conduits de ventilation, le guider jusqu'au résident et forcer Steep à prendre une pause. Le Flathead restera là-bas, connecté au résident, mais ça me permettra de vous dérouler le tapis rouge jusque dans le penthouse. Autre chose? On va prendre une de la Main? La compagnie de taxi la plus premiose de Night City. Nada mal. De Jaune ne travaille qu'avec les meilleurs, et pour moi, de la Main en fait partie. Pourquoi s'emmerder avec un chauffeur de taxi trop curieux quand une IA peut nous mener du point A au point B avec classe? Le mystère, c'est comment il arrive à renouveler son permis tous les ans. Si tout se passe comme prévu, de la Main vous ramènera ici. Si les choses se gâtent, il vous conduira à la planque. Laquelle? Le Notel Motel. Un endroit calme où on pose pas de questions. On réfléchira à la suite une fois là-bas, mais je suis sûr que ça sera pas nécessaire. Autre chose? Eh ben, on a toutes les informations. J'ai tout compris. Parfait. J'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment? Pour les nouveaux, la part est toujours la même et non négociable. 30%. 30? Sérieux? Tout le monde prend des risques dans cette histoire. C'est ce que valent les vôtres, d'après moi. Jack, c'est bon, n'insiste pas. Tu rigoles? Laisse tomber, je te dis. C'est équitable. Bon, très bien. Putain. Une dernière chose, le Konpeki a une politique anti-armes très stricte, portail de sécurité et tout tralala. Alors vous laisserez vos cracheurs dans la caisse et vous entrerez avec le Flathead dans sa mallette. On a aussi des costumes pro pour que vous vous fondiez dans le décor. Chino! Merci, Bug. Bon, je veux pas faire le rapia, hein. Mais quand est-ce qu'on aura nos édits? Tout dépendra de Miss Parker, mais je dirais d'ici une semaine, maximum deux. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On se tourne les pouces? Vous attendez, vous faites profil bas, parce qu'Arasaka a des yeux partout. Bien, comme disait ce vieux type en Grèce, la vie est un banquet. Faut pas se priver, mais faut pas finir ivre mort. Votre carrosse vous attend dehors. Bon, je décolle aussi. Je dois me connecter histoire d'être prête quand vous me contacterez. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est bon pour moi. Allez, au boulot. Alors t'es prêt? On y va? En route, ça sert à rien d'attendre. Attendons pas d'être riche. Ok. On a tout le plan, on a tout le dispositif. Il n'y a plus qu'à. On se retrouve donc sur la de la Main et nous sommes déguisés. Avec de la Main, vos problèmes restent sur le trottoir. Oh, le futur. Putain de sa mère. Un peu qui vont y rester. Je ne vois aucune raison d'employer un tel langage. Ah ouais? Et la fois où j'ai voulu t'engager pour l'enterrement de vie de garçon de mon cousin, hein? Hélas, nous n'acceptons pas ce genre de contrat. J'avais économisé pendant 3 mois. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Fonce, Del. Avant le début de notre voyage, je dois vérifier l'identité de tous les clients. Veuillez connecter vos liaisons personnelles. Alors, est-ce qu'on a bien notre identité de Sagouin, de voleur, Enrico Macias? Comment il s'appelle, genre? Merci. Forfait Excelsior activé. Excelsior? C'est de mieux en mieux. Excelsior? Le forfait Excelsior est conçu pour les clients d'exception. La qualité, c'est pas donné, tu sais. Regarde ça. De la Main, active le mode de combat. Je suis navré, mais vous ne semblez pas courir de risques imminents. Non, tant pis. Tu peux me croire, il dégommera une armée de ninjas d'Arasaka s'il le faut. Dex, c'est pas foutu de nous, là.
Il prend 70% sur ce coup. Tu l'as quand même pas oublié. C'est vrai que Dex, Dex de Shawn, il se mouche pas quand même. C'est comme ça qu'on rêve d'entrer dans la cour. Alors, en direction le Konpekeki Plaza. T'emballe pas trop vite quand même. La cour des grands, on n'y est pas encore. Je sais pas, Jack. J'ai un peu l'impression que t'es en train de te ramollir. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as un problème. Laisse tomber, oublie ça. J'ai rien dit. C'est bon, c'est déjà oublié. Ça, c'est des bons potes, ça. C'est le jour le plus important de toute ma putain de vie. Ah, coup de fil. T-Bug. Salut, ça roule ? Comme après s'être astiqué avec une rap. On devrait bientôt arriver à l'hôtel. Bon, j'ai établi une ligne cryptée directe pour vous guider dans le Konpeki. Vais appelle Jackie, qu'on voit si tout est synchro. On n'est jamais trop prudent. Alors ? C'est brouillé. Tu peux dire un truc, Bug ? Les plus grands crimes sont commis non par besoin, mais pour satisfaire des désirs superflus. Quoi ? C'est d'Aristote. J'en déduis que tu captes bien ? Toi, ouais, je te capte. Ton pote grec, un peu moins. Mais c'était passionnant. Tu devrais le lire. Essayez de méditer ça. Et de ton côté, V ? Je te reçois 5 sur 5. Parfait. Allez, pour la technique, on est bon. C'est un miracle que si. On garde contact. Ok, bon, on arrive au Plaza. On va rentrer avec des fausses identités. Je vous souhaite bonne chance. Et c'est parti. J'attendrai ici jusqu'à votre retour. Ok, Zou. Ça y est. On y enfin. Est. Bon, je vais prendre le Flathead. J'ai failli oublier. Pas de crasher, hein. Et pas de crasher. On laisse les armes ici. Hop là. Allez, Harry. On y va. On y va. Ok. Sortie dans le domaine. Attends. Je vais prendre le Flathead. Notre ami prend le Flathead. Ok, elles sont pas mal leurs caisses là, leurs dolomens. Ça fait une espèce de caisse un peu rétro-futuriste. J'aime bien. J'aime bien le design. Le Plaza. J'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner. Le Bug. N'oublie pas, la réservation est à ton nom, Ramon. Rendez-vous avec Hajime Taki, le représentant de la branche tech militaire. Les documents, c'est pour le Flathead. T'inquiète. On gère. Allez, on arrive. On y est. Ah oui, un système. Bienvenue au Konpeki Plaza. Un système anti-armes. Formez une file, s'il vous plaît. Ça marche, mon pote. Monsieur. Un instant, je vous prie. J'ai quelque chose. Monsieur, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous apportez un bot de combat dans les locaux du Konpeki Plaza ? On est des vendeurs d'armes. Quoi ? Ah, vous avez un rendez-vous avec Taki-san, c'est ça ? Je vous présente mes plus plates excuses pour cette erreur. C'est mon tour ? Ça ne prendra qu'un petit instant, monsieur. J'ai rien de louche. Allez-y. Alors, bonjour, madame. Bonjour et bienvenue au Konpeki Plaza. On aimerait s'enregistrer. Mais bien sûr. Un instant, je vous prie. La réservation est à quel nom ? Victorino. Chambre double, deux adultes pour une nuit. C'est bien ça ? C'est ça. Parfait. Je vais aller prévenir Taki-san de votre arrivée. Merde, ça craint, ça fait pas partie du plan. Parle-lui, V, gagne du temps. Ce sera pas nécessaire. On va aller se rafraîchir d'abord. On le préviendra nous-mêmes. Mais Taki-san vous attend ? Non ? Señorita, vous savez combien de temps a duré notre voyage ? 18 heures depuis Néo-Barcelone. Avec un retard à Metaki, tout ça parce qu'un cyberpsycho s'est fait sauter dans le terminal. Oh, vrai cauchemar. Évidemment, je comprends. Vous avez la suite Lapis-Lazuli, au niveau 42. Oh, une dernière petite formalité. Veuillez valider votre puce SID. À toi l'honneur, Harry. Tout est en ordre, merci. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci. Vaut mieux y aller. Ok, on a enregistré, on a réussi à esquiver les questions un petit peu... Néo-Barcelone,
un petit peu louche. Et on continue. Il est bon, Jackie, en impro là. C'est quand même stylé le, l'entrée du. L'entrée du plaza. Pas comme notre hôtel à Zurich pour la dernière convention. C'est bon, Jack, arrête ça. Quoi ? Je prends mon rôle très au sérieux. Alors, on va trouver, j'imagine, les ascenseurs. Ça sera donc le prochain épisode, les amis. À bientôt.